Petite surprise, c'était de voir Jason Kikonda hein, sur le banc de touche. Et Andrew Young, c'est bien fait. La frappe, pourquoi pas les dévier. Oh, et Alexandre Oliveira qui ne peut pas reprendre ce ballon. Et ça sera un pénalty. Pénalty sifflé par Monsieur Valnet. C'est parti. Et c'est l'ouverture du score. Le but de Concarneau. Concarneau qui mène un but à zéro sur la pelouse de QRM après 25 minutes. Guillaume Gégousse pour mettre le ballon au fond. Et attention au contre parce que là il y a 3 contre 2 à jouer avec Ben Ali. Et l'appel de balle sur le côté, il va être servi. Alexandre Oliveira, la frappe et Louis Souchot qui s'impose. Alexia Rojo qui a tenté de récupérer ce ballon, ça va être fait en deux temps avec Moussiti au coin de la surface qui va essayer de trouver Chama, la frappe, l'égalisation. L'égalisation de QRM signé Steve Chamal qui vient inscrire son 4e but. QRM revient dans la partie. Il n'a plus que 4 matchs et demi maintenant pour ces deux équipes. Allez, peut-être un nouveau contre. Adil Asbag pour Steve Chamal encore une fois dans la surface de réparation. Steve Chamal, la frappe, le deuxième but. Le deuxième but de Steve Chamal qui s'offre à doubler ce soir dans un duo en folie. Allez, cette première période, elle n'est pas finie. Et si, c'est fait sur ce score 2-1. Pour Queville, Rouen Métropole contre Concarneau. La Gadec hein, qui était à la base formée comme milieu défensif et qui a été replacé en défense centrale. Ça a été joué vite avec Arojo. Maxime Sivis qui va tenter la frappe, peut-être c'est repoussé. Ça va revenir avec Arojo dans la surface. Le centre, ça passe devant tout le monde. Le troisième but. Le troisième but pour QRM. Et il est signé Lucas Toussaint. Kéméré maintenant avec Alexandre Oliveira. Kéméré encore au milieu. C'est bien fait le jeune joueur de Concarneau. Oh, attention, il s'est gêné avec Youssef Ben Ali. Il a failli tirer Kéméré. Et ça continue avec Damessi. Pourquoi pas la frappe du gauche. Et là, l'envolée de Louis Souchot. Ce ballon, il passe à côté. Mais belle frayeur. Youssef Ben Ali à la baguette. Allez, qui va mettre ce ballon dans la surface. C'est long, c'est bien mis la tête. Et la parade de Louis Souchot sur... cette tête de Lejoncourt, le corner là, tiré de la droite vers la gauche, la tête et la parade encore de Louis Souchot, attentif, le gardien de QRM dans cette fin de rencontre. C'est terminé, la victoire ici de Queville, Rouen Métropole face à Concarneau.